Un très bien ce projet. Merci de mettre le masque sur le nez. De mettre en place tout ce qu'on a mis en place déjà un petit peu en TD hier. Donc faisons des exercices de type bac pour essayer de mettre en place les notations, ces fameuses propriétés de cours qu'on a vues. Et à partir de ça, on pourra généraliser vers nos exos derrière. Allons-y, on va commencer par celui-là. Hop. Voilà. Hop. Alors. Faut rentrer un tout petit peu. Ces fameux exercices de proba. Donc, faut rentrer un tout petit peu dans les notations. Une urne contient 3 dés équilibrés. Deux d'entre eux sont verts et possèdent 6 faces numérotées de 1 à 6. Le troisième est rouge et possède 2 faces numérotées 1. 4 faces numérotées 6. On prend un dé au hasard dans l'urne et on le lance et on note V l'événement, le dé tiré est vert, le dé tiré est rouge. S1 l'événement, on obtient 6 au lancer de dé. On tire au hasard un dé, on effectue un lancer de celui-ci. Donc, première question, je vais être clair, ce que j'ai changé là, vu que les questions qui sont en bleu, c'est les questions que j'ai changées au niveau bac, ou les notations que j'ai rajoutées. Là, soyons clairs, la situation c'était compléter l'arbre. Je vais vous demander de le tracer parce qu'il faut comprendre la situation pour pouvoir tracer l'arbre et ça me paraît plus intéressant. L'idée de ces, notamment de ça, parce que ça, même si on va complexifier les choses après, ça va être le même principe, c'est ce que j'appelle une expérience en deux temps. Dans un premier temps, on choisit un dé, première expérience, puis dans un deuxième temps, on lance le dé, deuxième temps. Donc créer un arbre sur ces expériences en deux temps, en fait, il n'y a pas de deux arbres possibles, il n'y en a qu'un. C'est-à-dire qu'il y a forcément la première épreuve qui se fait en premier, puis la seconde. Donc dans ce cas-là, le sens de l'arbre ne peut pas être fait de 36 façons, il n'y en a qu'une seule. Donc ici, si je veux faire un arbre pour essayer de représenter la situation, qu'est-ce que je mets à la première racine et qu'est-ce que je mets derrière? Alors, vis-à-vis des événements dont on me parle. Les événements dont on me parle, c'est le dé est vert, le dé est rouge. On obtient 6, ou moralement, du coup, ce qui va nous intéresser, on n'obtient pas 6. Comment vous complétez ça? Théo? Voilà, donc c'est du VR, et ensuite ce serait du S1 et S1 bar. Et donc, parmi les données qu'on a du sujet, il faut savoir faire les petites étapes de dénombrement dont on vous a parlé. Donc il y a deux dés verts et un dé, c'est bien ça, deux verts et un rouge. Donc c'est bien du 2 sur 3 pour le dénombrement ici, et c'est bien du 1 sur 3 pour le dénombrement ici. Et donc on vous dit que les dés verts sont équilibrés, donc forcément l'événement S1 c'est 1 sixième, l'événement S1 bar c'est 5 sixièmes. Par contre le dé rouge possède 2 faces numérotées 1 et 4 faces numérotées 6. Donc ça fait clairement du 4 sur 6 et du 2 sur 6 pour S1 bar. Est-ce que ça va à tout le monde cet arbre? C'est vraiment l'étape simple qu'il faut, sur laquelle il ne faut pas se tromper. Oui, Cassiopée? C'est un 4, oui, que j'ai noté normalement. Derrière, question standard, on vous demande de calculer la probabilité de S1. Donc soyons clairs, la probabilité de S1, c'est la probabilité de cette branche-là à laquelle on doit ajouter cette branche-ci, là. Donc c'est la somme de ces deux branches-là. Clairement, on repart à la racine de l'arbre, on fait une séparation sur plusieurs branches. C'est à chaque fois qu'on aura ça à faire, ce sera toujours, toujours la formule des probabilités totales. Et pour connaître le système complet d'événements qu'il faut utiliser sur cette formule des probabilités totales, c'est ce qui est un cran avant la séparation, c'est ce qui est au niveau de la racine. Donc ici, en fait, notre système complet d'événements, ça va être les événements VR. Soit on tire un dé vert, soit on tire un dé rouge. Il n'y a pas d'autre possibilité possible. Et à partir de là, on applique une formule des probabilités totales là-dessus pour calculer la probabilité de l'événement S1. Donc ce qu'il faut être rédigé pour avoir tous les points sur ce genre de choses, ce serait d'écrire. Alors, on applique l'AFPT sur le SCE. Donc on a dit VR
Encore une fois, on ne va pas vous embêter à justifier que VR est un système complet d'événements. Après, il faut connaître votre formule. La probabilité du coup de l'événement S1. Je vais arrêter avec mes doubles barres, il faut que je me soigne. C'est la probabilité de S1 sachant qu'on a fait un des événements, donc sachant V par exemple, fois la probabilité de V. Plus la probabilité sachant qu'on a fait R de S1, fois la probabilité de R. Et ça, on a toutes les données dans l'arbre. Je vous le rappelle en remontant dans le dessin, que cette probabilité, par exemple, le 2 sixième, puisqu'elle est à ce niveau-là dans l'arbre, c'est bien la probabilité sachant R de S1 bar. Donc toutes les probabilités qui apparaissent dans cette formule, on les connaît. Ça nous fait le fameux 2 tiers fois 1 sixième ici. C'est peut-être pas ce terme-là, j'ai pas fait gaffe. Les verts, c'est les équilibrés? Oui, les verts, c'est ceux qui sont équilibrés. Donc ça nous fait notre 2 tiers fois 1 sixième, et ce terme-là, ça va nous faire notre 1 tiers fois 4 sixièmes. Donc on a du 6 sur 18, si je mets au même dénominateur, et comme tout le monde le sait, 6 sur 18, ça fait un tiers. Bon, voilà pour cette première question, elle n'est pas très très intéressante, enfin elle n'est pas capitale. On va faire une première généralisation avec la question d'après, la 2A. De l'arbre qui est mis avant, mais de façon un peu plus compliquée. Donc maintenant, on change d'expérience. Question 2, on tire au hasard un dé de l'urne. On lance ensuite n fois ce dé. Et on note Sn, l'événement, on obtient 6 à chacun des n lancés. Et il faut calculer la probabilité de Sn. Donc encore une fois, dans la probabilité de Sn, là vous avez la réponse sur le sujet. Donc soyons clairs, ceux qui me balancent du texte vaseux pour essayer de me justifier cette proba, la réponse est dans le sujet. Vous avez le droit à un magnifique zéro. La réponse, elle est là. Donc, le but, c'est pas de bidouiller pour obtenir la réponse. Le but, c'est de justifier comment. Donc, les points les plus essentiels qu'il va falloir justifier, c'est le plus qui est là. Le fois qui est là, on va le justifier, mais à peine, il va venir naturellement dès qu'on aura compris comment faire. Et il y a un autre fois qui est caché et qu'il faut pas rater. Et c'est celui-là qu'il va falloir aussi gérer. Ce sont les deux puissances n qui sont ici. Donc c'est sur ça qu'il va falloir essayer de réfléchir et essayer de comprendre comment on va obtenir ça. Mais moralement, ce qui change, c'est que l'arbre, il est à profondeur beaucoup plus grande. Maintenant, on veut faire 6 à chaque fois. Ce qui veut dire que si j'essaye pour la question 2A de faire un arbre, il y a toujours la même chose. Mon expérience commence, soit je choisis un dé rouge, soit je choisis un dé vert. Mais après, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de résoudre l'événement S1 qui était de tirer le... des à 6 faces, puis derrière je vais essayer de faire S2, puis derrière je vais essayer de faire S3, puis derrière je vais essayer de faire S4, et on va continuer comme ça. S1, S2, S3, S4. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe que c'est ça qui se passe? C'est-à-dire qu'on a toujours les deux branches, mais maintenant ce qui va changer, c'est qu'on va aller en profondeur dans l'arbre. Il n'y a pas beaucoup de branches à cet arbre, mais on va aller en profondeur sur une profondeur N dans l'arbre. Donc ça, il faut savoir le gérer, c'est pas très très dur. À la fin, bien sûr, de ces branches, on a Sn ici et Sn ici. Et donc forcément, ce que je vais vouloir, c'est la probabilité dans chacune des branches. Ok. Comment je fais? Comment vous faites pour me calculer la probabilité dans chacune des branches? Un produit, avant de faire un produit, moi j'ai deux branches à regrouper. Avant, j'aimerais bien retrouver comment je vais regrouper mes branches. Amélie ? J'ai la probabilité de tirer un rouge ou un vert. Et après, la probabilité de S1, S2, S3, S4, c'est toujours la même. Donc, j'ai un point et j'en ai la puissance N. Et quels sont tes arguments pour avoir le droit de faire ça ? Voilà, c'est... Non, mais il y a la réponse dans le sujet, tu m'expliques ça. C'est bon, je sais lire le sujet aussi. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ça vient de là les réponses, hein, soyons clairs, mais on le voit tous très bien. C'est les arguments qui vont compter. Baptiste ? Alors, le puissance n, déjà l'argument du puissance n, il va venir des événements indépendants. Je suis d'accord. La somme et la séparation en deux, il me faut une explication. Théo ? Alors ça va venir, il n'y a pas besoin de probabilité composée, vu que justement c'est l'argument de Baptiste, c'est qu'on va avoir de l'indépendance pour faire de la puissance. Non, ce qui reste, c'est la somme à justifier. Et la somme, il n'y a rien qui a changé. La situation n'a pas changé par rapport à tout à l'heure. Pour faire la somme, c'est que je veux faire la somme des deux branches.
Noix. J'ai pas entendu. J'entends toujours pas, t'es trop loin. Ça c'est pour le produit, c'est ce qu'a justifié déjà Baptiste. Moi c'est la somme qu'il me faut. Nathan ? Oui, comme tout à l'heure, en fait on veut sommer les deux branches et à la racine de ces deux branches, il y a encore mes mêmes événements RV. Donc, pour pouvoir comprendre les probabilités, en fait ce qu'il faut comprendre c'est que derrière, vous ne pouvez pas avoir le poids de S1 ici. Alors je ne sais plus, rouge c'était non équilibré, donc c'est 4 sixièmes ici. Et ici c'est équilibré, c'est 1 sixième. Donc oui, je suis bien d'accord, et ce que tu as dit Baptiste était vrai, c'est de l'indépendance, ça va se repérer vers la même chose. Mais les deux probabilités de chaque côté ne sont pas les mêmes. Donc il faut quelque part que ça se soit justifié. Et ça, ça va venir des probabilités conditionnelles, qui viennent de la formule des probabilités totales. Donc il faut appliquer les deux, on n'a pas le choix ici. Donc ici, encore une fois, on applique la formule des probabilités totales sur le système complet d'événements RV. Ce qu'on cherche, le membre de gauche dans notre exercice, c'est la probabilité de SN. La probabilité de SN, c'est donc par la formule des probabilités totales, ça devient donc la probabilité de SN sachant V fois la probabilité de V, plus la probabilité de SN sachant l'autre, donc sachant R, fois la probabilité de R. Ah, je change de page, 2 minutes. Voilà. Hop. De ça maintenant, l'événement SN, alors mes notations avec S1, S2, l'événement, ce qui note SN, c'est faire 6 sur N tirages. Donc il nous manque une notation, ce serait bien d'avoir une notation, c'est que l'événement SN, ce serait l'événement, je vais mettre S1 puissance N, ça va trop vite, je suis pas d'accord, il manque une explication si vous mettez du 1 sixième puissance N sans me l'expliquer. Il me faut une notation pour cet événement, faire N fois 6. Si je reprends les notations du sujet, c'est ça qui me va pas, c'est que S1 c'était on obtient 6 au lancer du dé, mais c'est pas cohérent avec les notations de SN qui on obtient 6 à chacun des N lancés. Du coup il faut nous rajouter une nouvelle notation. Par exemple, oui Ethan ? Est-ce que c'est par rapport au fait que c'est P de S1 sachant V, après c'est P de S2 sachant V et 1 tiers S1 ? Alors si on fait une formule des probas composées, ce serait lié à ça. Mais il est clairement mis dans le sujet. On tire un hasard dans le ensuite on lance le D N fois de suite. C'est vrai qu'il n'est pas marqué que les événements sont indépendants, mais soyons clairs, quand vous lancez plusieurs fois un dé, est-ce que le résultat du premier dé influe sur le deuxième dé? Non. Alors ça aussi, tiens, j'en profite, c'est la première fois qu'on tombe dessus. C'est quelque chose qui moi me gêne beaucoup mathématiquement, mais qui vous en général vous gêne pas. C'est-à-dire que là, l'indépendance des tirages n'est pas écrite noir sur blanc dans le sujet. Elle est logique de par l'expérience. Et ça, c'est un truc qui se fait beaucoup dans votre filière et que j'aime pas beaucoup moi. C'est que bah, ça vous rajoute une surcouche à vous de travail qui est de déduire qu'ici, on peut utiliser l'indépendance. Mais clairement, quand vous lancez plusieurs fois un dé, il n'y a aucune incidence du résultat d'avant sur le résultat d'après. Mais donc ici on a bien indépendance. Donc à cause de ça on n'a pas besoin de faire une formule aussi compliquée qu'avec la formule des probabilités composées. Non, ici c'est juste une notation qui me manque. Par exemple, je vais noter l'événement F6I. C'est juste l'événement, c'est faire 6 au IM lancé. Et donc cet événement ce serait F6-1 inter F6-2 inter jusque F6-N, on est bien d'accord. Il faut la probabilité de faire V, plus la probabilité sachant R de F6-1 inter jusqu'à F6-N, fois la probabilité de R. Ensuite, donc ça, on va pouvoir le simplifier un peu. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a indépendance des tirages, enfin des lancers de dés plutôt. Il y a indépendance des lancers. Donc ça, ça va nous permettre de dire quoi? Déjà, la probabilité de V qui était derrière ici, ça, c'était du 2 tiers.
Là, j'avais du 1 tiers au bout. Mais ça va me permettre de dire que c'est la probabilité de V fois la probabilité de faire F6-1 fois la probabilité de V de faire F6-2 fois la probabilité de faire F6-N. Et pareil ici. Alors attention, il y a une ligne qui est passée ici, je vois. C'est un P ici, hein, c'est une probabilité. Il y a la probabilité sachant R de F6-1 fois la probabilité sachant R de F6-2 et on va aller trois petits points jusqu'à la probabilité sachant R de F6-N. Alors justement, et il manque un truc, je vois que j'ai oublié de recopier un V quelque part, excusez-moi. Là, c'est un probabilité sachant V. Justement, c'est ça qui est très important et c'est pour ça que puisque la réponse vous est donnée, si vous ne faites pas preuve de notation un tout petit peu cohérente, on va vous enlever des points. Notamment si vous ne me conditionnez pas par R ou V chacun de ces tirages. Comment d'un côté la proba peut être de 4 sixièmes et de l'autre 1 sixième? C'est parce que cette probabilité de faire 6 est différente selon qu'on utilise le dé vert ou selon qu'on utilise le dé rouge. Donc ce n'est pas la même probabilité. D'un côté c'est la probabilité sachant V, de l'autre c'est la probabilité sachant R. Donc maintenant qu'on a ça, c'est... Alors je sais plus, hein, mais c'est le dé vert qui était déséquilibré ou c'est le dé rouge? C'est le dé rouge qui est déséquilibré, merci. Donc du coup, la probabilité de faire vert, ici ça devient bien du 1 sixième fois 1 sixième fois 1 sixième puissant 1 fois 2 tiers. Et ici on a du 4 sixième fois 4 sixième fois 4 sixième fois 1 tiers. Et donc ceci, vu que bien sûr, attention, là je le remets quand même, mais ici on a bien sûr n fois la multiplication, ici aussi on a bien sûr n fois la multiplication, ça fait du 1 sixième puissance n fois 2 tiers, plus, alors le 4 sixième, je pense qu'il a été simplifié dans la version finale, mais ça fait du 2 tiers puissance n fois 1 tiers. Et on a bien tout justifié. Oui, Louis. Faire 6 au ième lancé. C'est, enfin, obtenir 6 au lancer de dés, au ième lancé. Oui. Comment tu me le vois comme une intersection et comment tu me montres que ça fait une puissance n? Sn, c'est un événement. Comment cet événement peut se décomposer en une puissance n? Pour avoir une puissance n, il y a que, moralement, il y a que deux choses. Pour avoir un produit de n termes, c'est la formule des probas composées ou l'indépendance. Une puissance n, il n'y a même pas le choix, en fait. Soyons clairs, chaque fois que vous aurez une puissance n dans une formule de proba, c'est de l'indépendance, du même événement qui est répété. C'est sûr et certain. Il faut faire apparaître l'indépendance de... Qu'est-ce qui est indépendant? Là, c'est on a n lancé, donc je me donne une notation pour ces n lancés. Et c'est chacun de ces lancers qui est indépendant des autres. Donc maintenant j'ai bien mon intersection qui devient un produit, et maintenant j'ai ma puissance n qui apparaît. Voilà pour cette question. Je remonte un peu sur le sujet, je redescendrai après si vous voulez écrire le reste. Donc, regardons la question 2B. Pour toute entité naturelle n non nulle, on pose Pn la probabilité d'avoir tiré le dé rouge, sachant qu'on a obtenu le numéro 6 à chacun des n lancés. Donc, on veut la probabilité d'avoir tiré le dé rouge, sachant qu'on a obtenu 6 à chacun des n lancés. Qu'est-ce qu'on cherche à faire ici, Hugo? Oui, ce qu'on cherche à faire, est-ce qu'on est bien tous d'accord, c'est inverser le conditionnement. Ce qu'on connaît bien, nous, c'est ici, c'est la probabilité qui est cachée ici. Ce qu'on connaît bien, c'est celle-ci. Ou même, je vais remonter à la ligne d'avant. Ce qu'on connaît bien à travers nos calculs, c'est la probabilité d'avoir fait N6, sachant qu'on utilise le dé rouge. Et là, il va nous faire calculer la probabilité de la réciproque, la probabilité sachant Sn de R. Donc, c'est clairement la formule de Bayes. Donc, allons-y. Ça, c'est 2B. On veut la probabilité sachant Sn de R
d'après la formule de Bayes. Alors refaire toujours en, je vous le rappelle, c'est juste pour pas vous tromper, la probabilité de Sn inter R, on peut l'écrire de deux façons. Si vous conditionnez, ça fait la probabilité sachant Sn de R fois la probabilité de Sn du coup, ou vous pouvez l'écrire la probabilité de R, enfin de Sn sachant R fois la probabilité de R. Et cette ligne-là, entre parenthèses, vous permet, sans jamais vous tromper, d'écrire que la probabilité de Sn de R, donc c'est ce membre-là que je veux isoler, ça va faire la probabilité de R sachant, enfin de Sn sachant R fois la probabilité de R, divisé par la probabilité de... Ah ! Excusez-moi, j'ai refait un R sans vouloir. Probabilité de S, pardon, de Sn. Ça tombe bien, on a toutes les données déjà calculées. La probabilité de R fois de Sn sachant R fois la probabilité de R, c'était le calcul de ce terme-là. Je rappelle que le numérateur, c'était le calcul de ce terme-ci. Donc le numérateur ici, c'est du 2 puissance n fois 1 tiers. Et le dénominateur, c'est ce qu'on a calculé juste au-dessus, donc c'est du 1 sixième puissance n fois 2 tiers. Alors, on a le résultat qui est là. Et maintenant, je vais aller embêter un peu nos chers terminales. Parce que vous, vous savez tous faire ça maintenant. Je vous ai assez bien formé. Pour le numérateur, au dénominateur, je sais que vous avez encore des problèmes. L'idée, c'est que la réponse du sujet, c'est pas celle-là. La réponse du sujet, elle est écrite sous la forme 1 divisé par quelque chose. Et j'ai même pas besoin de regarder le quelque chose. La grande différence entre la réponse que moi j'ai fournie là, en noir, en bout de ligne, et la réponse que j'écris en dessous, en 1 divisé par quelque chose... Quelle est l'opération mathématique qu'il faut faire pour arriver à faire apparaître un 1 en haut? Oui. Ça revient à la même idée que ce que je dis d'habitude. Les autres, ils n'ont pas le même vocabulaire vu qu'ils me connaissent trop bien, mais ça revient exactement à ce que moi je vais faire sinon. Les autres, mais ça revient à la même chose que multiplier par l'inverse, mais c'est exactement ça. Les autres, comment on fait? On compose. Yanis, Noah, oui, on force la factorisation en haut et en bas par le 2 tiers de puissance n fois 1 tiers, mais ce qui revient à la même chose que diviser en bas par multiplier par l'inverse. Donc, mon vocabulaire à moi, c'est je force la factorisation par le terme en haut et en bas, comme ça en le simplifiant, j'aurai clairement un 1 qui va apparaître en haut. Donc, comment on fait ? Maintenant, riez pas, je vais vous embêter juste après vous. Je suis au courant que vos problèmes de puissance ne sont pas tous résolus, hein, soyons clairs. Donc, on force la factorisation. Donc, on force la factorisation par 1 tiers fois 2 tiers puissance n. Donc en bas, je force un 2 tiers puissance n fois 1 tiers à apparaître. Alors on le fait comme le premier jour. Parce que sinon, vous allez faire n'importe quoi et vous le faites à chaque fois. Je leur ai appris comment on factorise sans jamais se tromper. On recopie le terme devant. Et on divise sans réfléchir. C'est après qu'on simplifie et c'est là qu'arrivent les problèmes. Et là, j'ai du 1 tiers fois 2 puissance n sur 1 tiers fois 2 tiers puissance n. Donc voilà ce que ça fait quand je force en bas à factoriser. Clairement, moi je fais la partie facile. Le but, c'est d'obtenir un 1 en haut et en bas. C'est le clair, le... Ces termes-là vont se simplifier, entre guillemets, je peux. Maintenant que j'ai une factorisation, j'ai le droit de barrer ces deux termes-là. Je vais donc me retrouver avec un 1 en bas.
Je vais donc me retrouver avec un plus 1 ici en bas aussi, parce que j'ai du 1 tiers de 2 tiers puissance n sur 1 tiers de 2 tiers puissance n. Donc clairement, ces termes-là se simplifient. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? On fait des sommes. Une idée raisonnable. On a une quadruple fraction. On met tout au même dénominateur. Donc je rappelle que si on a du A sur B sur C sur D, ça fait du A sur B fois D sur C. Donc ça, ça va vous faire du 1 tiers fois 2 puissance N, 3 puissance N, et je vais remultiplier par l'inverse. Donc j'ai du 3 sur 1 fois 3 puissance N sur 2 puissance N. Pourquoi j'ai recopié 2 puissance N? Excusez-moi, j'ai fait une erreur de recopie. Ce terme-là, ici, c'est pas le terme en 1 tiers au numérateur. J'étais sur l'autre terme. C'est le terme en 2 tiers, excusez-moi. Donc il y a du 2 tiers fois 1 puissance N sur 6 puissance N. Fois 3 sur 1. Fois 3 puissance N sur 2 puissance N. Alors, comment on regroupe les puissances? Certainement pas en faisant n'importe quoi. On ne peut regrouper des puissances que si on n'a pas les mêmes termes, mais si c'est la même puissance. Donc, vous me regroupez vos 2 et vos 2, 3 ensemble, mais certainement pas le reste. Et ensuite, vous regroupez toutes les puissances ensemble. Ce qui fait qu'au final, ça va me faire du 2. Et je vais me retrouver avec du 2, 3 fois 6 sur 2 à la puissance n. Et 3 fois 6 sur 2, je peux simplifier le 3, ça me fait du 1 quart puissance n, c'est ça? J'ai pas fait n'importe quoi, ça a l'air bon, je vais remonter après l'écran et on verra si on a bon. Oui? Le 3 fois 3 n, c'est 3 1. Le... 3 fois 3 puissance n, ça fait 3 puissance 1. Non. Le 3, c'est du 3 puissance 1. Donc on peut faire du 3 puissance n plus 1. Ouais, mais le problème de faire du 3 puissance n plus 1, c'est que tu te retrouves avec des nombres différents à des puissances différentes. Il n'y a plus rien qui se regroupe. L'intérêt de ça ici, c'est que justement, ici j'ai une puissance n, ici j'ai une puissance n, ici j'ai une puissance n, ici j'ai une puissance n. Donc j'ai beau avoir des nombres différents, j'ai la même puissance, je peux les regrouper ensemble. J'ai juste par copier le 1. Parce qu'une fois 3, ça fait 3. Mais là, j'ai juste regroupé mes puissances entre elles. Et donc, ça me fait ça. Et si je remonte là-haut mon sujet. Oh, magie! On a exactement le même résultat que le sujet. C'est comme c'est étrange. Je tiens à insister que. Ici, pour une fois, vu la façon dont est présenté le résultat final, vous n'aviez pas 36 solutions à part factoriser. Parce que là, vous ne pouvez pas remettre au même dénominateur, vous ne pouvez rien faire pour aller vers ce résultat. Dernière question qui n'a rien à voir avec des probas. Je vais juste faire le début parce que j'aimerais bien que vous sachiez faire ce genre de questions. Mais comme ce n'est pas des probas, ce n'est pas le but de notre question aujourd'hui. On veut ça déterminer le plus petit entier N0 tel que la probabilité PN soit plus grand que 0,999. Donc puisqu'on a la probabilité qui est là en bas, je vais refaire une page, on va faire 2C. On veut savoir quand est-ce que la probabilité... Alors c'est laquelle, pardon, excusez-moi, je remonte, mais c'est bien celle juste avant. Oui, c'est la fameuse probabilité PN juste avant. Donc c'est ce qui note PN. On veut PN plus gros, supérieur à 0,999. Comment on fait pour essayer de trouver N là-dedans? J'aime bien quand il y a des terminales avec nous, parce que là, vous vous rendez compte de la marge de progression que vous avez fait en 3 mois et demi. Qu'est-ce qu'il faut faire là pour essayer de trouver N? Kautar, t'avais l'idée?
Personne n'a d'idée pour essayer d'isoler n là-dedans, la première étape. Voyons, Amélie. On factorise par quoi? Donc déjà, on factorise, ça suffit pas. Marie. On par ln directement. Si, si, on peut composer par ln directement. Non, c'est bien, je vais le faire travailler. Vous avez déjà vu ln? ln, non, exponentielle est en première, donc ln est en terminale. Donc vous avez tous vu ln? Bon, on va commencer par ln, ça me fera travailler leur propriété du ln, je suis d'accord. Mais j'aurais attendu que vous me dites qu'on compose par l'inverse, voyons. Histoire de penser à une fonction décroissante et de montrer l'inversion du sens des inégalités. Donc, on compose par la fonction logarithme qui est strictement croissante. Mais alors, en plus, j'ai même pas réagi à l'importance de ta réponse, Marie. Parce que c'est l'étape où, en gros, je voulais qu'on arrête plus ou moins. Pour pouvoir faire baisser cette puissance n, ah bah non, en plus, ça a même pas marché, du coup. J'ai été trop vite. On va devoir composer par n. Alors, je vais le faire et après, je vais vous montrer pourquoi ça aboutit pas. Quel est le problème? Le problème, il va venir de là. Si on compose directement par ln, ça fait ceci qui est plutôt pas mal. Mais le problème, c'est donc on a les propriétés de ln. Ln d'un quotient, ln de a sur b. Au terminal. Ça fait quoi? Ça fait ln de a moins b? Alors attention, ouais, il faut savoir ce qui est en entrée et ce qui est en sortie. Ln de a sur b, ça fait du ln de a moins ln de b. Alors, pardon, c'est un plus 1. Alors, et c'est là où est le problème de cette méthode-là de commencer par le ln. Le problème, c'est que maintenant, la puissance n va pas pouvoir sortir et passer devant, alors que c'est tout le but de la méthode, à cause du plus 1 qui est là. Et donc ça nous pose un problème et ça va pas aboutir. Donc, et le but, par contre, de ta méthode, Marie, et c'est ça le but, il faut quelque part passer par ln pour arriver à descendre la puissance n, il n'y a pas le choix. Mais il faut le faire dans le bon sens, il faut pour ça avoir déjà isolé la puissance n. Donc refaisons ce que je voulais, et c'est pour ça que je savais qu'il fallait commencer par l'inverse. Oui, Samy? Pardon, pourquoi on utilise le ln? Alors là, rappelez-moi votre cours de début d'année. C'est quoi puissance x? Oh, la belle couche de rouille. Noah? Ça, on l'a vu en début d'année. Ce qui veut dire qu'ici, c'est quoi un quart puissance n? Et c'est un peu l'idée derrière Marie, je m'en fiche du moment que vous pensez à composer par ln. C'est que ceci, c'est exponentielle de n et ln de 1 quart. Comment on va faire disparaître cette exponentielle? Et là, maintenant, ton idée, Samuel, revient. Comment on fait disparaître cette exponentielle? Avec un ln. Et donc, c'est pour ça que l'idée du ln, globalement, dès que vous avez de la puissance n, est logique. Mais il serait bien de temps d'enlever cette petite couche de rouille, là. Ça devrait être plus mécanique, ce truc-là. Donc, je repars de là. Je repars de cette ligne-là. Sur cette ligne-là, on a dit, cette ligne-là, elle est équivalente. Ce qu'il faut faire, c'est composer par la fonction inverse. La fonction inverse, où tout le monde est au courant, elle est strictement décroissante. Ce qui fait que on va inverser le sens des bornes. Je vais me retrouver avec du 2 fois 1 sur 4 puissance n plus 1 plus petit que 1 sur 0,999. Comme je suis prof de maths et pas prof de calculatrice, 0,999 m'horripile, on va mettre des puissances de 10, hein, sinon moi je vais mal me le vivre. Donc là je vais faire moins 1 déjà. Et ceci, ça va me faire du 2 fois 1 quart puissance n plus petit que 1 sur 999 puissance 10-3. Et bien sûr, si j'ai fait moins 1, de l'autre côté, j'ai pas le choix, il faut que j'écrive un moins 1. Ensuite, je vais multiplier par 1 demi, ce qui me pose
pardon, un demi, pas un quart. Je multiplie par un demi, ce qui ne me pose aucune difficulté. Ce qui fait que je me retrouve avec du 1 quart puissance n qui est plus petit que 1 demi de bah, 10 puissance moins 3, ça fait du puissance 3 en haut, ça me fait ceci, ça me fait du 1000 sur 999 moins 1. Et maintenant, on va composer par ln. Ln strictement croissante, ce qui me fait que ln de 1 quart puissance n, c'est plus petit que ln de... Alors 1 demi, et j'ai pas mis au même dénominateur, à l'intérieur je peux le faire, ça me fait du 1000 sur 100, ça me fait du 1 sur 999. Voilà, hop. Nos trois terminales. Alors, rappelle-moi, tu es Zoé, c'est ça? Isabeau ou c'est Titouan ou Titouane? Titouane. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ln de 1 quart puissance n? Vous avez vu le ln? Pas encore, forcément, vous pouvez pas me dire quelque chose. Titouane, tu l'as vu le logarithme? Pas encore? Ah. Pardon, hein? Ah, à peine. Bah alors, c'est frais. Donc, le logarithme a pour but de faire descendre les puissances et de les faire passer devant. C'est-à-dire que ce qu'on peut dire, c'est que ln de a puissance n, ça fait n ln de a. Ce qui ici va nous donner du n ln de 1 quart. Ça me fait du ln de 1 sur... ça fait quoi ça? Ça me fait du 1998? 2 fois 999? Et là maintenant je multiplie par 1 sur ln de 1 quart. Et est-ce que quelqu'un peut me dire le résultat que j'obtiens? À gauche, c'est du n. Moi, je veux le reste. Je vais devoir sévir à interroger. Cassiopée, t'as une idée? Moi, j'aurais pris que c'est égal à ln de 1 sur 1998 divisé par ln de 1 sur 4. Je suis 100% d'accord avec toi, mais il me manque quelque chose. Et donc après, Non, moi, il me manque quelque chose. Inférieur ou égal? Ah, inférieur ou égal? Ah oui, non, supérieur ou égal? Alors, relisons la question de l'énoncé. Déterminer le plus petit entier N0 qui vérifie la propriété. Donc si on veut trouver le plus petit entier n0, il faut qu'à la fin de notre calcul, on obtient du n plus grand que. Et c'est parce que quand on multiplie par ln de 1 quart, ce nombre est strictement négatif. Donc ceci ne devient pas un inférieur ou égal, ceci devient un supérieur ou égal. Ne vous faites jamais avoir par ça. Oui, Yanis. Non, t'es obligé de passer au ln. T'es obligé de faire exactement. Il y a deux étapes non négociables. La première étape non négociable, c'est celle-ci. T'es obligé. On peut aller plus vite dans le cours, il n'y a aucun souci. Donc, l'étape qui est non négociable, c'est que tu es obligé d'isoler ta puissance n. Même si tu veux me l'écrire 4 puissance moins n et je suis d'accord avec toi, tu es obligé de me l'isoler. Donc jusque-là, tu n'as pas le choix des étapes de calcul. Et une fois que tu es là, il y a soit le ln, soit exponentielle de ln. Enfin, il y a soit revenir à la forme exponentielle de la puissance, soit composer par ln. Mais il n'y a pas d'autre choix. Parce que sinon, tu ne vas pas t'en sortir en factorisant, tu ne feras jamais descendre ta puissance n et donc tu n'auras jamais n égal. Voilà pour cette résolution, je détaille pas plus, le but c'est de trouver ça, ça n'a rien à voir avec des probas, c'était juste l'idée de vous
Montrez que vous avez quand même appris 2-3 choses depuis le début de l'année. Hein. Regardez comme ils ont l'air perdus. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais qu'est-ce qu'il leur a fait? Pourquoi j'ai plus mon poli? Je l'ai fermé? Non. Alors. On va faire un autre exercice pour voir d'autres choses. Bah. J'en ai ouvert deux. J'en ai ouvert deux. Ok. Donc l'exercice d'avant nous a permis... Soyons clairs. On peut aller beaucoup plus vite, on peut faire beaucoup moins, mais là vous êtes insupportable. Je sais que c'est des choses faciles et on essaye de faire des choses simples, mais là le volume sonore c'est juste pas possible. Donc, allons-y. Le premier exo, le but c'était de revoir tout ce qui était formule des probabilités totales, on a revu Bayes, des choses classiques de proba. Je vous l'ai déjà dit, on n'a pas encore eu le temps de faire vraiment d'exercice là-dessus. La bonne façon de faire des probabilités, c'est le vocabulaire variable aléatoire. Les variables aléatoires, en une notation, vous permettent d'utiliser directement des notations d'événements. Ça vous simplifie la vie de vraiment beaucoup, beaucoup de façons. Donc, pour vous, 90% du temps, on va essayer de vous emmener vers des variables aléatoires parce que le vocabulaire sera plus facile. Au lieu d'avoir à vous poser comme on a tout à l'heure, regardez, par rapport à l'exercice 1, au lieu de devoir vous donner tout à l'heure la notation F6I, qui était un peu tordue, vous êtes d'accord? Imaginons qu'on aurait juste eu une variable aléatoire qui était XI, le résultat du IMD. Ça, c'est une variable aléatoire, on ne le dit pas, mais XI, le résultat du IMD. En fait, notre événement F6I devenait instantanément l'événement XI égale 6. Et donc, si dans le sujet, il vous parle des variables XI, instantanément, vous, pour cette question, vous avez la bonne notation événementielle pour pouvoir faire la question. Donc, très, très, très souvent, nous, on va plutôt parler en variables aléatoires. Et donc là, cet exo, c'est pour faire des calculs d'événements et de variables aléatoires. Donc allons-y, encore un exercice qui fait un peu transition avec ce que nous on doit faire et les exos de type bac, vu qu'on va encore avoir une urne où il y a un nombre n de boules dedans. Une urne contient 10 boules blanches et n boules rouges, n étant supérieur ou égal à 2. On fait tirer un joueur des boules de l'urne. À chaque tirage, toutes les boules ont la même probabilité d'être tirées, c'est-à-dire que le tirage est équiprobable. Pour chaque boule blanche tirée, il gagne 2 euros et pour chaque boule rouge tirée, il perd 3 euros. Ça a l'air super rentable. On désigne par X la variable aléatoire correspondant au gain algébrique obtenu par le joueur. Le joueur tire deux fois successivement et sans remise la boule de l'urne. Démontrer que la probabilité de X égale moins 1, ça vaut 20N sur N plus 10, N plus 9, ça m'intéresse pas trop, on va le voir après pourquoi. Derrière, c'est calculer en fonction de N la probabilité correspondante aux deux autres valeurs prises par la variable x. Donc en gros, j'enlève un a et un b, je pose la question 1, qui va être la question qu'on va vous demander tout le temps. Quelle est la loi de x? Donc la question c'est, quelles sont les valeurs prises par x? Alors pour ça, soyons clairs, comme toujours, je vous conseille de faire un arbre de ce qui peut se passer. Et après, de réfléchir à ce qui se passe en termes de... pour la variable. C'est-à-dire que pour moi, ce qui se passe, ça n'a rien à voir avec la variable aléatoire X, ça a à voir avec les tirages de boules blanches ou de boules rouges. Donc, dans notre exercice, soit on tire des boules blanches, soit on tire des boules rouges. Et on fait deux tirages. Alors, encore une fois, je vous invite, quand il y a plusieurs fois les mêmes événements en profondeur, de plutôt noter B1, R1. Et B2, R2, pour juste qu'on comprenne ce qui s'est passé au premier tirage et au deuxième tirage.
D'après les données de l'énoncé, déjà, avant même de parler de la loi de la variable, est-ce que vous pouvez me compléter cet arbre? C'est quoi la probabilité B1? Cassiopée? Parfait. Alors, c'est voilà. Typiquement, à part le fait qu'on ait des 10 en haut et en bas, là, si on avait eu K boule blanche et N boule rouge, enfin, ce genre de choses-là, c'est typiquement ce que je veux que vous sachiez faire. C'est la compétence la plus importante de la semaine. Donc forcément, si celle-là, c'est 10 sur N plus 10, de l'autre côté, c'est forcément N sur N plus 10. Maintenant, comme le tirage est sans remise, dès qu'on a tiré une boule blanche, pour l'événement B2, Hugo... Une question. Oui. Là, c'est parce que c'est le nombre de boules blanches et du coup, le rouge, c'est N. C'est oui, c'est exactement ça. Donc encore une fois... Tous jouent à la composition de l'urne. Dans cette situation-là, la composition de l'urne, c'est 10 boules blanches et N rouge. Donc forcément, pour tirer blanc, c'est nombre de cas favorables sur nombre de tirages total et ça fait ça. Amélie ? Parfait, très très bien, ne pas se tromper. La composition de l'urne, dans cette situation-là, la composition de l'urne, c'est devenu 9 blanches et toujours N rouge. A l'inverse, plus bas, la composition de l'urne dans cette situation-là, c'est devenu toujours 10 blanches et N moins une rouge. Donc ici, là, par exemple, la probabilité, ce serait du 10 sur N plus 9. Est-ce que ça vous va pour ces probabilités conditionnelles-là? Alors bien sûr, j'ai pas mis le reste de l'arbre, mais ça se complète par somme à 1. Ok. Ce qui nous manque et ce qu'on n'a pas fait, et c'est ça qui va être intéressant, c'est quel est... la valeur de la variable à chaque fin d'expérience. Ici, si j'ai tiré une boule blanche et si je lis mon expérience, quand il tire une boule blanche, il gagne 2 euros. Et quand il tire une boule rouge, il perd 3 euros. Donc clairement ici, mon joueur, il a gagné plus 2. S'il retire une boule blanche, au final, ici, on a la variable x qui vaut combien? Oui, j'ai pris encore Oxens. 4, ouais, c'est ça. A l'inverse, donc il avait gagné plus 2 ici. À la fin de cette expérience-là, que vaut la variable x? Moins 1, tout à fait d'accord avec vous. S'il a fait rouge, il a d'abord perdu 3, puis il tire une blanche. X vaut moins 1. Et ici, il a reperdu. X vaut moins 6. Donc maintenant, quand on vous demande la loi de x, et ça c'est un classique, ça veut dire donner deux choses. X de oméga pour nous l'ensemble des valeurs que peut prendre cette variable. Cette variable, elle peut prendre moins 6. Moins 1 ou 4. C'est une accolade, hein. Elle est juste mal faite, mais c'est une accolade. Et donc maintenant, pour donner la loi, il faut pour chacune de ces événements x égale k, donc qui vaut moins 6, moins 1 et 4, il faut donner la probabilité que x vaut k. Oui? Le 10 sur n plus 9 pourrait expliquer ou pas? Oui, complètement. Est-ce que tu es d'accord avec ma composition de l'urne qui est là, Hugo? T'es d'accord avec le 10 blanche, ouais. N moins une rouge. Donc ici, dans ce tirage-là, je veux tirer une blanche. Donc nombre de cas favorables, 10, c'est évident. Nombre de cas total, c'est N moins 1 plus 10. Et N moins 1 plus 10, ça simplifie en N plus 9. Ok? Ok. Voilà pour ça. Il nous faut la loi de cette variable aléatoire. Regardez l'avantage d'avoir fait l'arbre. Comment on va calculer la probabilité de x égale 1? La probabilité de x égale 1, c'est la somme de cette branche-là avec la somme de cette branche-ci. Voilà. Trouver le système complet d'événements, appliquer la formule des probabilités totales. Quel est le SCE? Celui qui a la racine d'avant. C'est-à-dire qu'ici, ce seraient nos événements B1 et R1. Alors, donc, probabilité de X égale moins 1. D'après la formule des probabilités totales sur le SCE R1-B1, ça fait la probabilité de X égale moins 1 sachant B1 fois la probabilité de B1 plus la probabilité de sachant R1
de x égale moins 1 fois la probabilité de R1. On descend. Je continue mon égalité ici. Hein. Alors, on est bien d'accord que vu l'arbre, l'événement x égale moins 1, sachant qu'on a déjà réalisé B1, donc sachant qu'on a réalisé B1, est-ce qu'on est bien d'accord que l'événement x égale moins 1, c'est l'événement R2 en fait? Donc ça, c'est exactement la même proba que la proba de BR1 de R2 fois probabilité de B1. Plus pareil, si on a fait R1, ça fait la probabilité de l'événement B2. On est obligé de mettre x égale moins 1, on ne peut pas dire mettre R2 si on a fait comme ça. Si vous avez fait l'arbre à côté et que vous mettez directement R2, il n'y a aucun souci. Ça, je pense que c'est moi pour bien vous comprendre. En fait, c'est juste pour insister sur quelque chose. C'est que ce qui ne va pas en... C'est que l'événement qui est à gauche, dans la formule des probabilités totales, c'est lui qui va au-dessus et c'est lui qu'on conditionne. Le but d'avoir recopié ça comme ça, c'est parce que la formule des probabilités totales, je vais même pas vous dire, je la prends même pas. J'ai pas besoin de la prendre. L'événement qui est à gauche, c'est celui que je mets en haut de la probabilité, mais en haut de la probabilité conditionnelle. Et instantanément, je sais par quoi je conditionne. Et du coup, je sais quelle est la probabilité qui va juste à côté. Et qui, elle, n'est pas conditionnée. Donc ça, c'était fois la probabilité de R1. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à recopier notre arbre comme on l'a fait. La probabilité de B1 sachant R2... j'ai pas mis les poids, mais donc celle-ci, ça fait du 10 sur N plus 10. Et là devant, c'est le complémentaire de 9 sur n plus 9. Donc on est bien d'accord que c'est n sur n plus 9. Et là, la probabilité de R1, c'était du n sur n plus 10. Et ensuite, faire B2, on l'a écrit, ça c'était du 10 sur 9. Et donc ça me fait du 10n sur n plus 9, n plus 10, plus 10n sur n plus 9, n plus 10. Je vais un tout petit peu vite, mais j'espère que ça ne vous pose pas de problème pour dire que ça, ça fait du 20n. Sur n plus 9, n plus 10. Et donc, indépendamment d'avoir regardé le sujet, je redescends juste après. Oh, on a la bonne réponse. Donc ça, ça fait du 20n sur n plus 9, n plus 10. Ok. On continue. Faisons par exemple, mais là c'est strictement la même chose, la probabilité de x égale 4. Clairement, avant même de continuer à faire quoi que ce soit, d'après nos notations, on est tous d'accord que la probabilité de faire x égale 4, c'est ce que j'ai fait dans mon dessin là-haut et que je remets vite fait à l'écran. La probabilité de faire x égale 4, c'est la probabilité de faire B1 puis B2. Donc c'est la probabilité de B1 inter B2. Comment je la calcule cette probabilité? C'est une intersection. Amélie? Alors, on multiplie, mais par quel argument? 100% d'accord, on va multiplier, mais soit c'est de l'indépendance, soit c'est la formule des probas composées. Ici, clairement, si je regarde mes poids de mes branches, ils sont écrits. Les deux poids de mes branches ne sont pas les mêmes, c'est que c'est clairement pas indépendant. Donc c'est forcément la formule des probas composées. Exactement, la formule des probas composées, c'est qu'on va en profondeur à l'intérieur d'une branche. Donc par formule des probas composées, ça, ça fait la probabilité de B1 fois la probabilité sachant B1 de B2. Et par exemple, ça, on aurait pu le faire pour la question d'avant, faire la FPC pour la première ligne et l'additionner avec la... En disant qu'il y a une union disjointe entre les deux. Ok, il faut dire ça. Ouais. Amélie? Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Quand tu fais un arbre, si en profondeur de ton arbre les probabilités ne changent pas, c'est clairement que les tirages sont indépendants. Et par contre, voilà, dès que ça change, ça veut clairement dire instantanément que c'est dépendant. Donc la probabilité de B1, on l'avait calculée, c'était 10 sur n plus 10. Et la probabilité de B1 sachant B2, on l'avait écrit, c'était du 9 sur n plus 9. Donc celle-ci, ça fait du 90. Sur n plus 10, n plus 9. Je redescends juste après, c'est juste pour dire que ça, c'est 90 sur
Bon, je dépasse de mon tableau. Est-ce que je peux le copier-coller, ce truc-là? Je dois pouvoir. Non, non, non. Comment je fais pour sélectionner une zone? Hop. Donc, je résume ce que j'ai mis en bas. J'ai obtenu deux cases. C'est où? Pourquoi je peux plus? Ah, je suis encore en sélection. J'ai obtenu deux cases de ma variable aléatoire. Je sais qu'elle a un support sur trois cases. Est-ce que je dois faire un raisonnement probabiliste pour avoir la dernière case? Cas ou tard? S'il vous plaît, taisez-vous, je peux pas entendre cas ou tard. Oui, alors c'est le principe, pas besoin de la technique, mais l'idée est là. L'idée qu'il faut développer, et c'est lié à une propriété de cours que je ne vous ai pas encore montré, mais que maintenant on va voir et qu'on va écrire noir sur blanc, c'est que la somme des probabilités de toutes les valeurs que peut prendre une variable aléatoire, ça fait forcément 1, vu que ça recouvre toutes les issues possibles. Et ça, c'est lié à quelque chose de très important qu'on va servir très 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 souvent quand on va passer sur nos exos plus compliqués à nous. C'est que l'ensemble des valeurs prises par une variable aléatoire, ça forme un système complet d'événements. Donc je remonte un tout petit peu là-dessus dans le cours, très très vite. Je l'ai passé ce principe-là et j'ai dû mettre même quelque chose. Je vais même mettre la remarque qui est derrière parce que ça, la colle de demain, la colle de jeudi après-midi en ECS2. On va faire ça à tour de bras. Et nous, cette semaine, jeudi et vendredi, on va faire ça à tour de bras. Hop. Alors, je vais essayer. Bah, ouais, ça va pas. Mince. Non. Supprimer. On fait une nouvelle page et après je remonte. Alors, si x est une variable aléatoire, alors la famille d'événements x égale x pour x appartenant à x de oméga est un système complet d'événements. Ce qui veut dire qu'avant, pour notre variable aléatoire de notre exemple, si je fais l'événement x égale moins 1, l'événement x égale 6, non c'était moins 6, pardon, et l'événement x égale 4, ceci est un système complet d'événements. Ça, faut aussi justifier. C'est du cours, t'as le droit de dire, t'as le droit de balancer que ceci est un système complet d'événements. Il n'y a pas besoin de justifier. Voilà, c'est ça. Bah oui. Mais en gros, comment on va s'en servir? À quel seul moment on sert du fait que quelque chose est un système complet d'événements? Là, on peut s'en servir pour dire que la somme des probas fait forcément 1. C'est une bonne justification. Mais par contre, la façon dont on va s'en servir, c'est quand on aura des expériences en deux temps. S'il y a deux variables aléatoires dans notre problème avec deux expériences en deux temps, on dira que la probabilité que la deuxième expérience fasse quelque chose, c'est la somme, on va décomposer par rapport au SCE lié à la première variable, et on va appliquer la formule des probabilités totales sur ce SCE-là. Et donc cette formule-là, elle n'est pas au programme. Mais je vous assure que dans tous les exos qu'on va utiliser, 90% du temps, cette formule-là, on va s'en servir. Donc c'est la formule, c'est la version la plus utilisée de la formule des probabilités totales. C'est quand il y aura deux variables aléatoires, une expérience successive. Typiquement, le premier exo qu'on fera complètement général là-dessus, c'est celui-ci. Imaginons, j'ai une première urne qui contient n boules numérotées de 1 à n. Je tire une boule là-dedans. Imaginons que je tire la boule numéro 7 ou la boule numéro i. À ce moment-là, je remplis une nouvelle urne juste avec i boules dedans, numérotées de 1 à i. Je ne vais pas plus loin que la boule numéro i. Et je retire une deuxième boule dans cette urne-là au hasard et je veux connaître le numéro de la boule de sortie. Donc c'est clairement une expérience en deux temps où la première expérience se fait complètement au hasard avec des boules numérotées de 1 à n. Et la deuxième expérience, est-ce que vous êtes d'accord que ça dépend du résultat de la première? Bah typiquement, c'est le genre de cas où, en gros, la variable y dans mon énoncé là, c'est le résultat de la deuxième expérience. Et on va décomposer ce qui peut se passer pour la deuxième expérience en fonction de ce qui s'est passé pour la première expérience. Typiquement,
Si à ma première expérience, j'ai tiré la boule numéro 7, puis-je tirer la boule numéro 8 à la deuxième? Non, vu que dans la deuxième expérience, je mets des boules que de numérotées de 1 à 7 du coup. Donc ça va jouer sur la probabilité de la deuxième expérience. Le fait que la première expérience ait fait 7 joue sur la valeur de la deuxième expérience. Ok, bon, ici pour nous ça fait quelque chose de facile, c'est que ceci je peux le faire par complémentarité. Alors, si vous me dites juste par complémentarité, si vous me dites tout simplement parce que x égale k pour k appartenant à x de oméga est un SCE, c'est la même chose. On a instantanément que la probabilité que x égale moins 6, comme l'a dit Kautar, ça fait du 1 moins vingtaine plus 90 sur n plus 10, n plus 9. Hein. Alors ça, si je le mets au même dénominateur, ça me fait du n plus 10, n plus 9. Je vais le faire vite parce que c'est pas très intéressant. Si je le développe, cette chose-là, j'ai du plus 90 qui va se simplifier avec le moins 90. J'ai du 19n, ça va me faire du n carré moins n. Je vais juste développer, simplifier. C'est juste que ça m'intéresse pas de perdre du temps là-dessus. Voilà. J'ai développé, simplifié. Donc ce que j'ai fait de là à là, j'ai développé ça et j'ai simplifié. Non, je parle de la ligne d'avant. J'ai mis au même dénominateur. Attention, principe de Tartine-Beurre que j'ai déjà expliqué. Sur la fraction 20 et 90, 20n et 90 sont de même signe, donc quoi qu'il arrive, à tout moment, ils doivent rester de même signe. 1. Alors, maintenant, j'ai mon tableau. Donc ça fait du nn-1 sur n plus 10, n plus 9. Ok. La question d'après du sujet, on demande l'espérance de cette variable. Donc c'est juste, est-ce que vous avez compris la formule de cours? La formule de cours théorique, c'est juste que l'espérance de x est la somme pour x appartenant à x de oméga des x fois la probabilité de x égale x, qu'il faut connaître. Mais l'idée, c'est comment on l'applique sur ce cas-ci. Ben, en fait, on multiplie juste chacune des probas qu'on a trouvées par la probabilité de faire exactement ceci. Donc typiquement, pour faire moins 6, ça me fait du moins 6 fois n moins 1 sur n plus 10, n plus 9. Ensuite, les valeurs qu'il y avait, c'était moins une fois. Et pour le moins une fois, c'était le vingtaine qu'on avait trouvé. Sur n plus 10, n plus 9. Et ensuite, la dernière proba, c'était du plus 4 fois. Et la proba qu'on avait trouvée, c'était du 90 sur... J'ai pas la place en bout de ligne, j'écris en dessous, c'est du n plus 10 fois n plus 9 au dénominateur. Ce qui fait que cette horreur, le dénominateur commun c'est déjà mis, c'est du n plus 10, n plus 9. Et au numérateur, j'ai du moins 6n carré, plus 6n, moins 20n. Plus 4 fois 90 qui va me faire du 360. Alors je sais pas du tout comment il demandait de l'écrire dans le sujet, je vais remonter et voir ce qui se passe. Je redescends juste après, mais dans le sujet il voulait moins 14n plus 360, c'est bon. Il voulait la forme développée, donc on est bon, ça nous fait du moins 6n carré. Moins 14n.
Et donc soyons clairs, ce genre de calcul d'espérance, je vais en profiter de cet exo pour calculer la variance, même si c'est pas demandé, pour qu'on l'ait revu une fois, et après je réexplique en détail le sens que ça a. Mais moralement, l'espérance de gain, c'est le, si vous répétez plein de fois l'expérience, c'est le résultat moyen que vous allez obtenir. Donc, puisqu'ici c'est un gain d'argent, selon que le numérateur ou le dénominateur est positif ou négatif, ça vous dit s'il est rentable de jouer à ce jeu ou pas. Clairement, par exemple, pour n égale 1, si vous mettez qu'une seule boule rouge, le jeu est rentable, parce qu'en gros, vous avez 360 moins 20, vous avez 340 sur... enfin, divisé par... combien? Par 1100. Donc, vous allez gagner en moyenne un tiers d'euro. Par contre, dès que n va dépasser, je dis n'importe quoi, mais pour aller vite, dès que n va dépasser 5, soyons clairs, ça va être clairement négatif, ce nombre au numérateur, et c'est plus rentable de jouer à ce jeu. Mais on pourrait clairement faire un tracé de la fonction moins 6n carré moins 14n plus 360 et voir à partir de quelle valeur de n c'est plus rentable de jouer. Ok. Ou on pourrait calculer tout simplement le delta aussi. Pour le factoriser et trouver quand est-ce qu'il est positif ou quand est-ce qu'il est négatif. Alors, je vais pas simplifier les calculs, mais la variance. La variance se calcule tout le temps avec Koenig-Wiggins. La formule de Koenig-Wiggins, elle dit que la variance, c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré. L'espérance de x au carré, c'est très très simple, c'est le nombre qui est au-dessus mi au carré. Donc c'est juste du moins 6n carré moins 14n plus 360 divisé par n plus 10n plus 9, le tout au carré. Toujours, pour calculer une variance, il n'y a jamais une seule fois où on sert de la définition. Par contre, la définition, il faut la connaître. Au cas où on veut vous faire prouver d'autres valeurs de somme à partir de vos calculs de variance. C'est un truc un peu particulier, mais je sais que c'est un truc qui a été demandé... après, ça a été demandé deux fois sur 10 ans, mais... Il y a deux fois où on vous a dit... Rappelez la définition de la variance, rappelez la valeur de la variance, par exemple d'une loi binomiale, en déduire la valeur de telle somme. Et en fait, telle somme, c'était juste la variance écrite de la loi binomiale. Comment on calcule ce terme-là? Alors, ce terme-là, c'est la formule que j'ai arrêtée vendredi en toute fin d'heure et que j'ai à peine eu le temps d'expliquer. C'est ce qu'on appelle la formule de transfert. La formule de transfert d'espérance. C'est logique. Imaginons qu'il y ait un joueur qui gagne ce fameux 2 euros quand il... imaginons qu'on fait qu'un seul tirage et qu'un joueur gagne ses fameux 3 euros s'il tire une boule rouge et qu'il perd ses fameux... il gagne 2 euros s'il tire une boule blanche, pardon, et qu'il perd ses 3 euros s'il tire une boule... une boule blanche. Et je vous dis maintenant, vous allez gagner la même valeur, mais au carré. Est-ce que l'expérience en elle-même a changé? Non. Donc les probabilités, si je vous dis vous gagnez l'argent, mais au carré, les probabilités n'ont pas changé. Par contre, ce qui a changé, c'est les valeurs des calculs. Au lieu de gagner 2 euros, vous en gagnez 4. Au lieu d'en perdre 3, vous en gagnez 9. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, moralement, le calcul de l'espérance de x carré, c'est tout simplement, je suis où? Je suis là. Le calcul de l'espérance de x carré, c'est le même calcul qu'on a fait là-haut pour l'espérance, mais on remplace toutes les valeurs au carré. Donc pour l'espérance, il y avait un moins 6. Donc ce moins 6, je le mets au carré, et derrière, je multiplie par la même proba. C'était nn moins 1 sur n plus 9, n plus 10. J'en ai marre d'écrire n plus 9, n plus 10, je le note D pour dénominateur. C'est à chaque fois la même chose. Le deuxième terme, c'était moins 1 que je vais mettre au carré fois 20n sur dénominateur. Et le dernier terme, c'était 4 que je vais mettre au carré, c'était fois 90 sur dénominateur. Et voilà comment on calcule l'espérance de x carré. Est-ce que ça vous va pour cette formule de transfert? Oui, Noah.
je t'entends pas Noah, il faut que tu parles plus fort. Alors justement, j'y arrive en faisant un dessin sur des graphes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une loi de proba? Oula, il faudrait peut-être que je fasse des traits à peu près droits. Alors, on en a déjà parlé. Quand j'ai fait la semaine dernière la notion de variable aléatoire, j'ai parlé de la somme de 2D. La somme de 2D, ça fait, c'est une variable aléatoire qui prend des valeurs de 2 à 12. Et si j'essaye de faire des probas, on avait calculé, donc le pic, le maximum, il était obtenu au niveau de 7. C'est, la probabilité, c'était du 6 sur 36 de mémoire, on va vérifier ça. Mais ensuite, autour, la probabilité de faire 6, c'était du 5 sur 36, 6 et 8, pardon, bien sûr. C'était du 5 sur 36. Et on continuait comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Je ne vais pas mettre toutes les valeurs, mais ensuite il y avait du 4, ensuite il y avait du 3, ensuite il y avait du 2, ensuite il y avait du 1. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce type de graphe où je... Alors ce graphe, ce qu'on pourrait appeler aussi un diagramme en bâton, c'est ce qui représente une loi de probabilité. C'est-à-dire que ici en bas, 6, 7, 8... c'est mon événement x égale 7, et ce que je mets en ordonnée ici, la hauteur qui est là, c'est la probabilité de x égale 7. Ça, c'est une façon de représenter une loi de probabilité. Que représente l'espérance? L'espérance, c'est la valeur moyenne que va compter cette probabilité. C'est-à-dire que c'est ce qui est... c'est ici, comme c'est parfaitement symétrique, soyons clairs, la valeur moyenne de cette variable, c'est pile au milieu. Ici, ce que j'ai tracé en rouge, ce serait l'espérance. C'est la valeur moyenne de la variable. Qu'est-ce que c'est que la variance? Ou qu'est-ce que c'est que l'écart type? Parce que je n'ai pas défini l'écart type, mais juste si on connaît ce que c'est que la variance de x, ce que vous appelez vous l'écart type de x, sigma de x, c'est la racine de la variance. Ce qui s'appelle l'écart type ou la variance, mais c'est la même chose, c'est juste que... Alors, la variance est un objet mathématique qui a beaucoup de très bonnes propriétés. L'écart type est un objet mathématique qui n'a aucune bonne propriété. Donc l'écart type en maths, on s'en sert jamais. J'ai jamais vu un article de recherche ou de scientifique en maths où on parle d'écart type, on ne parle que de variance. L'écart type, elle a du sens pour le commun des mortels, pour une raison simple, c'est l'homogénéité. Si vous mesurez des données en mètres, votre espérance, elle est en mètres. Votre variance, à cause de la multiplication par x carré, votre variance, elle est en mètres carrés. Et donc, pour avoir quelque chose d'homogène et de comparable, l'écart type se retrouve, lui, d'un seul coup en mètres. Donc, l'écart type a du sens uniquement parce que ça a la même notion unitaire que la quantité de base. Mais mathématiquement, il n'y a aucune bonne propriété parce que la racine, vous ne pouvez pas additionner des choses avec la racine. Enfin, il n'y a aucune bonne propriété de la racine et ça pose plein de problèmes. Oui, Louis ? Alors, la variance n'est pas liée à l'espérance. C'est la formule de Koenig-Wiggins qui fait une formule de transfert, mais c'est une formule. Alors, si, justement. Si, dans ce cas-là, je reviens à la définition, mais ce n'est pas trop comme ça qu'on va le voir. C'est quoi la définition de la variance? La définition de la variance de x, c'est l'espérance de x moins son espérance. Le tout au carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, imaginons que j'ai fait 5. Donc je vais changer de couleur encore une fois pour essayer de voir quelque chose. Mais imaginons que ma variable a fait 5. À quel point le fait de réaliser cet événement x égale 5 contribue à la variance? Ben en fait, je vais calculer l'écart à la moyenne ici. L'écart à la moyenne est pas trop grand, mais la probabilité de tomber sur cet écart, puisque la probabilité ici est assez faible, ben elle est un peu grande. Donc ce point-là a une probabilité assez grande d'arriver, il n'est pas trop loin. Par contre, si je prends un autre point, le point 2 ici, il est très très loin
de la moyenne. Donc, entre guillemets, le nombre qui est là est très grand, vu que c'est l'écart à la moyenne. Par contre, la probabilité qu'il arrive, il est très faible. Et donc, la variance, ça compte tous ces écarts-là. Ça compte les écarts proches qui sont faibles multipliés par des grosses probas et les écarts lointains, mais multipliés par des petites probas. Donc, moralement, ce que fait la variance, c'est que ça mesure la dispersion de votre variable. Donc, en gros, la variance ou l'écart type, ça permet de mesurer la dispersion de votre variable. Ça, on doit l'exprimer très clairement en toute fin d'année, c'est notre dernier chapitre de l'année. On aura ce qu'on appelle des inégalités de concentration, notamment l'inégalité de... c'est bien aimé Chebyshev, qui vous dit que la probabilité qu'une variable soit écartée de son espérance de plus de epsilon, c'est plus petit que la variance divisé par epsilon au carré. C'est ce qu'on appelle une inégalité de concentration. Mais ça veut dire quoi, cette petite inégalité de concentration? C'est que si vous connaissez l'espérance et la variance de votre variable ne peut pas s'éloigner très très loin de la variance. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible, si la variance de ma variable vaut ça, qu'il y ait un poids de probabilité qui soit élevé beaucoup plus loin. Ce n'est pas possible. Parce que si j'ai un poids élevé de probabilité, imaginons que ma somme des dés pourrait faire moins 3, donc beaucoup plus loin par là, mais une probabilité élevée, bah dans ce cas-là, ma variance, elle doit augmenter. Parce qu'elle doit prendre en compte le fait qu'il y a des points très très loin. Donc la variance, ça mesure la dispersion. Dernière chose, mais ça c'est plutôt pour votre culture encore une fois, attention, je vous ai fait un graphe parfaitement symétrique. Si je vous fais un graphe pas parfaitement symétrique, imaginons que je vous fais un graphe qui fait ça, ça... ça, ça, et tiens, et qui va redescendre, mais très lentement. Où va être l'espérance? L'espérance, c'est, attention, là, donc par exemple, imaginons ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. L'espérance de ma variable, elle va se retrouver, par exemple, à peu près ici. Pourquoi? Parce que la formule de l'espérance, c'est la somme des x fois la probabilité de x égale x. Donc, ok, vous allez dire, ouais, mais il y a plus de probas d'avoir des plus petits nombres. Oui, il y a plus de probas d'avoir 3, 4, 5. Mais la proba qui est un peu plus faible ici à 8, qui a le même niveau que celle à 2, au lieu de la multiplier par 2, je la multiplie par 8. Donc ce pic-là en 8 a plus de poids pour l'espérance que le 2. Donc l'espérance a tendance à partir vers les grandes valeurs. Quand on vous fait une moyenne de classe à 10, il suffit de 2-3 personnes à 18-19 de moyenne. Je peux avoir 20 personnes à moins de 7. Parce que la moyenne, elle est calculée par rapport le poids à 20 ou 18 fois autant. Ça va plus jouer que les poids à 7. Donc la moyenne est à distinguer quand c'est pas symétrique d'une deuxième variable qui est indistinguable ici. En fait, la variable, la moyenne ici dans ce graphe là est identique à quelque chose qui s'appelle la médiane. La médiane d'une variable aléatoire, c'est ce qui porte 50% du poids en dessous et 50% du poids au-dessus. Ici, dans mon graphe, la médiane, elle serait par exemple plutôt, je sais pas, à peu près 50%. Elle serait vers ici, la médiane, non? Il y a une autre inégalité. Donc la médiane, vous n'avez pas à la connaître, mais c'est un bon truc statistique. C'est-à-dire que si on vous parle de médiane, il faut comprendre le principe. C'est ce qui porte 50% du poids en dessous, 50% du poids au-dessus. La médiane est toujours plus petite que l'espérance. Chaque fois que je vous fais un DS ou quelque chose, je calcule ma médiane quand même pour me rendre compte de quelque chose. Elle est souvent plus basse que l'espérance, mais ça va, c'est pas catastrophique. Quand j'étais à la fac, enseignant à la fac, on a fait un examen où il y avait un QCM. Les fameux QCM où on enlève des points aux élèves qui ont faux. Et le prof fait, non, ça va, l'exercice est sur 40, la moyenne de classe, elle est à 12. Ça va, l'exercice, il n'était pas si mal réussi que ça.
Bon, c'était un prof un peu particulier qui faisait corriger ses charrettes TD. Donc moi, on faisait tous corriger un exo. J'avais eu du bol, j'étais tombé sur exo QCM. C'était assez facile à corriger, ça allait. Je me dis non, mais le QCM, ça va pas du tout. J'ai dû lui prouver en lui calculant la médiane. Un exo qui était à 12 de moyenne sur 40, sur une promo de 150 élèves. À combien était la médiane ? ?50% des élèves avaient 0 ou moins. Voilà. La moyenne, elle était à 12 sur 40. Oui, il a été raté l'exo, mais c'est pas catastrophique. Si, si, c'est catastrophique, parce qu'en fait, il y avait 25% des élèves qui avaient 40. Et du coup, 3 quarts des élèves qui avaient 0. Ça dépendait, en gros, s'il avait compris le cours et s'il répondait au hasard ou s'il répondait intelligemment. Parce que, tout simplement... Et le prof était encore plus bête de ça. C'est qu'il a fait un QCM où toutes les bonnes réponses étaient la réponse A. Donc les étudiants qui se disent « Mais non, je suis pas trop sûr de moi, mais j'ai déjà mis 3 fois !» Comme tout bon élève qui se respecte. Bah voilà, on va rééquilibrer, on va mettre B, C et D. Hein. Bon. Bref. Dernière chose là-dessus par rapport aux lois des variables. Je vous ai déjà expliqué comment je fais mes notes de DS. C'est-à-dire que vous avez donc un paquet de copies qui est à une moyenne M1. Donc votre paquet de copies théorique, il a une moyenne M1. Et je vous avais dit un écart type sigma. Et si vous voulez passer la moyenne de M2 à sigma 2, et par exemple, imaginons que vous voulez plus disperser vos notes, donc vous voulez que votre sigma 2 il soit là. C'est pour ça qu'on dit que donc le sigma 2, c'est ce qui mesure la dispersion de votre paquet, c'est lié à la variance, c'est l'écart type. Le M1, c'est la moyenne, c'est ce qui met où vous centrez votre courbe si vous faites une loi normale. Soyons clairs. Hein. C'est là aussi où j'ai appris la fameuse règle de la fac qui était magnifique, qui était non mais c'est pas possible, on est à la fin du premier semestre et là on va virer 80% de notre promo. Parce qu'ils ont pas leur. Ils ont moins de 10 en maths, quoi. Bon bah c'est pas grave, il faut qu'il y ait 30% qui passe. Bon bah, on remonte les notes jusqu'à temps qu'il y ait 30% qui passe. Voilà. Donc j'ai fait passer des gens à 10 alors qu'ils avaient moins de 5. J'étais très heureux. Bon. Est-ce que ça va sur cette notion ? Vous aurez pas à vous en servir, mais c'est bien de comprendre ça. Je sais que je ferai un exercice un peu particulier où on comprendra cette notion de variance comme ça. Mais est-ce que ça vous va, la variance, comme dispersion de la variable autour de sa moyenne ? Ok, bon. Continuons les exercices. On a fait quand même le cœur de ce que je voulais qu'on ait fait. On a fait un exo de variable aléatoire, un exo de... Comme ça. Allons-y. Refaisons. Ah non. Ou alors je commence celui-là. Non, l'autre, je le ferai cet après-midi. Non, si, avançons sur les concepts. Avançons sur les concepts. Faisons le 841 Amérique du Nord, juin 2011. Alors, allons-y. Un joueur débute un jeu vidéo et effectue plusieurs parties successives. On admet que la probabilité qu'il gagne la première partie est de 0,1. S'il gagne une partie, la probabilité de gagner la suivante est de 0,8. S'il perd la partie, la probabilité de gagner la suivante est de 0,6. On note pour tout entier naturel N, Gn, l'événement, le joueur gagne la énième partie. Et Pn, la probabilité de l'événement Gn. On a donc P1 qui vaut 0,1, montrer que P2 ça fait 0,62, on pourra s'aider d'un arbre pondéré. Alors c'est à ça que je veux en venir.
Alors, donc moralement, qu'est-ce qui se passe à chaque partie? On a un événement, en fait, c'est un arbre parfaitement symétrique. Soit le joueur gagne, soit le joueur ne gagne pas. Donc après G1, on peut quand même avoir G2, on peut quand même avoir G2 bar, on peut quand même avoir G2 ici, et on peut quand même avoir G2 bar ici. Ok. Et on continue bien sûr, s'il y a plusieurs parties derrière. Ici, on pourrait avoir G3, G3 bar. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe? La probabilité qu'il gagne la première partie est de 0,1. Donc ici, j'ai du 0,1 et ici, j'ai du 0,9. Forcément, la probabilité, s'il a gagné, qu'il gagne la suivante, c'est 0,8. Donc ici, j'ai du 0,8 et ici, j'ai du 0,2. La probabilité, s'il n'a pas gagné, est de 0,6. Donc ici, j'ai du 0,6 et ici, j'ai du 0,4. Moralement, donc ici, j'aurais dû 0,8, 0,2. Et si je devais prolonger jusqu'à G3 ici et G3 bar, est-ce qu'on est bien d'accord que j'aurais dû 0,6, 0,4 perdre à la partie d'avant? Et il faudrait le faire comme ça. Donc vous avez clairement un arbre qui n'est pas équilibré à tout niveau et qui va en profondeur comme ça. Oui, Amélie? Mais non, c'est un G2. Oui. Oui, bien sûr. Oui. Ça dépend quand même du nombre de parties qu'il a fait. Sinon, tu n'indexes pas le même N. Et ça devient beaucoup plus compliqué à suivre ce que tu fais parce que tu ne suis pas le nombre de parties. C'est-à-dire que je suis d'accord, mais quand... Alors justement, il y a un exo comme ça, mais qui est super dur. On le fera. Alors, le principe que tu... On peut toujours tout traduire en urne en proba. Le principe que tu essayes de faire, Amélie, mais qui est beaucoup trop compliqué, c'est... imaginons, j'ai une boule avec une urne, je fais des tirages avec remise dans cette urne, et je voudrais calculer le nombre de tirages que j'ai besoin de faire pour avoir trois numéros différents. Et ça viendrait à atteindre le niveau 3. C'est pas forcément en 3 essais que tu atteins le niveau 3, il faut peut-être recommencer plusieurs fois. Et ça, c'est très compliqué à calculer. Ok, donc montrer que P2, ça fait 0,62... Donc on est bien d'accord que dans notre énoncé P2, c'est la probabilité de... La P2, c'est la probabilité de G2. Donc ici, la probabilité de G2, est-ce qu'on est tous d'accord que c'est la somme de cette branche-là avec cette branche-là? Donc c'est clairement... Si on veut faire en composé et union disjoint, ça aussi. Ouais, mais je vais faire FPT sur le SCE... G1 bar, et là je vais aller un tout petit peu vite parce que j'en ai marre de faire ces exos de proba de terminale. Ça va faire du 0,1 fois 0,8 plus 0,9 fois 0,6. Et ça me fait du 0,08 plus 9 fois 6, je suis à 54. Et donc ça me fait bien du 0,62. Le joueur a gagné la deuxième partie, calculez la probabilité qu'il ait perdu la première. Quelle probabilité est-ce qu'on vous demande à la question D? Oui, on sait qu'il a gagné la deuxième partie, donc c'est la probabilité, sachant G2, qu'il ait perdu la première partie, c'est la probabilité de G1 bar. Donc ça, encore une fois, je vais vite, s'il n'y a rien de très compliqué, c'est par bys. Ça fait la probabilité, sachant G1 bar de G2 fois la probabilité de G1 bar, divisé par la probabilité de G2. G2, on l'a calculé, c'est le 0,62, et la partie qui correspond à G1 bar, c'est celle-ci. Celle-ci, c'est la partie qui correspond à G1 bar. Donc ça me fait du 0,9. Fois 0,6 divisé par, donc ça me fait du 0,54 sur 0,62, ça me fait du 54 sur 62, ça me fait du 27 sur 31. Bon,
Il est assez logique, hein. La probabilité de gagner la première partie étant très faible, ici, la probabilité qu'il a gagné la deuxième partie, la probabilité qu'il n'ait pas gagné la première partie, même s'il a gagné la deuxième, il y a très peu de chances qu'il vienne de G1, mais plutôt qu'il vienne de G1 bar. Calculer la probabilité que le joueur gagne au moins une partie sur les trois premières parties. Ah tiens, c'est un petit raisonnement intéressant celui-là. Ça, c'est un raisonnement de probabilité qu'on n'a pas encore fait en classe, même hier en TD. C'est un intérêt particulier. Comment on peut calculer la probabilité qu'il ait gagné au moins une partie ? Amélie ? Voilà, c'est exactement ça. Alors, l'idée est la suivante. Au moins une partie, c'est compliqué. Il a soit gagné une partie, soit gagné deux parties, on ne sait même pas les numéros des parties qu'il a gagné, soit il a gagné les trois parties. Trois possibilités possibles. Donc c'est un événement que je vais appeler qualifié de grand. Il y a beaucoup de possibilités pour cet événement. Le complémentaire de gagner au moins une partie, c'est perdre toutes les parties. Il n'y a qu'une seule possibilité, il doit tout perdre. Donc le complémentaire est un événement beaucoup plus petit, beaucoup plus simple à calculer. Quand le complémentaire est plus simple à calculer, on calcule d'abord le complémentaire avant de calculer l'événement même. Donc calculons la probabilité de G1 bar inter G2 bar inter G3 bar, c'est-à-dire la probabilité de perdre les trois parties. Donc ceci, comment je calcule cette intersection ? Oui, c'est conditionnel, les probas changent, ça c'est une formule des probas composées. Donc ça c'est la probabilité de G1 bar fois la probabilité sachant G1 bar de G2 fois la probabilité sachant G1 bar inter G2 bar de G3. C'est du G, il n'y a que des barres. Donc c'est du G2 bar, G1 bar et G3 bar. Si je remonte un tout petit peu pour voir mon graphe, G1 bar, la probabilité c'était 0,9 fois G2 bar c'est 0,4 fois G2 bar c'est 0,4. 9 fois 4 ça me fait du 0,36 fois 0,4. 0,36 fois 0,4 ça me fait du 1,20. Et 6 fois 4, 24, ça me fait du 0,144 si je me trompe pas. Ah bon, pas très intéressant cette proba. Ce qui m'intéresse, c'est cette fameuse question 4, c'est pour le concept qu'il y a derrière. Démontrer que pour tout entier naturel n non nul, p de n plus 1, c'est 1 cinquième de p de n plus 3 cinquièmes. C'est la logique et la morale. Et pour ça, je vais refaire un arbre pondéré. Moralement, qu'est-ce qu'on veut ? On a G1 qui est là, G1 bar. On a G2 qui est là. Pardon, G2. Je l'ai mis sur les branches, j'ai fait n'importe quoi. J'ai plutôt G1 qui est là et G1 bar qui est là. Oui, Amélie ? Ah oui, j'ai oublié de faire la dernière étape. Donc la probabilité qu'ils vous ont demandé, au moins 1, au moins... une réussite. Je suis tout à fait d'accord, j'ai été trop vite. C'est 1 moins 0,144. Alors, c'est juste parce que je veux absolument faire le dernier concept. Alors, c'est juste pour vous montrer le problème et la complexité de ce qu'on cherche à faire. Et c'est ce que nous, on va chercher à faire à chaque fois. Les calculs finaux ne vont pas être si complexes que ça, mais la complexité que vous, on vous a demandé. On ne vous a jamais fait faire d'arbre à plus de 3 branches, je pense. Je pense pas. Je pense sincèrement qu'on vous a jamais fait faire d'arbre à plus de 3 branches. Sauf si vous avez fait des exos de ce type-là, et c'est tout à fait possible vu que c'est des exos de bac. Mais là, moralement, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous êtes d'accord qu'après G3, j'ai du G4 là et du G4 bar ? Donc par exemple, je pourrais aller plus bas beaucoup ici, mais... Même si je fais, si je réussis et rate plein de fois, je pourrais faire du Gn ici et du Gn plus 1. Et je pourrais aussi faire du Gn bar ici et du Gn plus 1. Et là-bas au milieu, je peux me balader un peu en montant, en descendant, selon que je gagne ou je perde, mais je peux à un moment me retrouver avec Gn et faire Gn plus 1.
L'idée est laquelle? L'idée est que, à la question 4, je veux Pn plus 1. Je veux donc la probabilité de Gn plus 1. Vous vous sentez de faire la somme de toutes les branches qui partent de là, qui partent de là, qui partent de là, qui partent de là? C'est, alors justement, c'est impossible. Soyons clairs, personne ne peut le faire, c'est impossible. Deux façons de faire qu'on procédera nous. Soit on sait calculer le petit poids des branches conditionnelles à chaque niveau. C'est-à-dire que là, par exemple, on l'a. On sait que quand il a gagné, c'est du... Alors quand il a gagné, je ne me rappelle plus les données, mais quand il a gagné, c'était du 0,8-0,2, un truc comme ça. Et quand il a perdu, par exemple ici, c'est du 0,6-0,4, quelque chose comme ça. Donc on peut les connaître, et ça va être beaucoup le cas. Dès qu'on les connaît, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas essayer de remonter jusqu'à la racine de l'arbre. Comme je l'ai dit, chaque fois qu'on va vouloir décomposer sur des branches, on va faire un SCE par rapport à ce qui se passe une branche d'avant. Et ce qui se passe une branche d'avant, il y a beau avoir autant de branches que vous jouez. À chaque branche, il n'y a que deux types d'événements. Gn, Gn bar. Gn, Gn bar, Gn, Gn bar, Gn, Gn bar. Donc en fait, ça revient faire une FPT sur le SCE qui est juste à l'étape d'avant. Ça revient à faire un arbre beaucoup plus simple où l'ensemble des n branches qui sont là, donc les n branches qui sont là, c'est comme si je les notais juste, il y aurait une seule branche Gn, une seule branche Gn bar. Par contre, il y a un problème, c'est que là, j'ai plus mes poids que je connais. La probabilité de cette branche Gn, je la connais pas, je l'appelle Pn, et l'autre branche, je la connais pas non plus, mais je sais juste que c'est 1 moins Pn. Et dans ce cas-là, mon arbre devient beaucoup plus simple, et ça devient du Gn plus 1 avec le poids, donc c'était, là, je vais bien faire les choses, parce qu'il faut qu'ils soient corrects. Quand il gagne, c'était 0,8 et quand il perd, c'est 0,6. Donc c'est bien du... Bah oui. Si tu as gagné, tu sais que ton poids, c'est 0,8-0,2. Et si tu as perdu, tu sais que ton poids, c'est... Gn plus 1. Et donc la seule chose qui change, c'est que les poids pour Gn et pour Gn bar sont des poids inconnus. Inconnus en termes de valeur de... C'est pas des nombres. Mais on peut faire une formule des probabilités totales là-dessus. Donc, pour calculer cette probabilité-là... Oui, Amélie ? Et comment on peut savoir que j'aime ou j'aime pas ? Parce que ça, c'est ce qui est donné pour P1 et pour G1 et G1 bar. Mais pas pour un rang N quelconque. D'ailleurs, P2, il vaut 0,62. Donc, ton raisonnement ne marche pas. Donc, ici, on va donc faire la FPT... sur le SCE, donc le SCE pour nous ici c'est Gn, Gn bar, et donc la probabilité de l'événement Gn plus 1, ça devient la probabilité de Gn plus 1 sachant Gn fois la probabilité de Gn, plus la probabilité sachant Gn bar de Gn plus 1 fois la probabilité de Gn bar. Ce probabilité de Gn plus 1, d'un côté, cette notation-là du sujet, c'est Pn plus 1. La probabilité conditionnelle qui est là, c'est le 0,8. La probabilité qui est là, c'est le Pn. La probabilité qui est là, c'est le 0,6. Et la probabilité qui est là, c'est le 1 moins Pn de mon arbre. Si je regroupe tout ça, ça me fait du 1, alors ça me fait du 0,6. J'ai juste développé, regroupé, mais normalement ça me fait que Pn plus 1 c'est 0,6 plus 0,2 Pn, ce qui pour des gens civilisés s'écrit 1 cinquième de Pn plus 3 cinquièmes. Et si je remonte maintenant au sujet, je redescends juste après. Oh, il fallait trouver que Pn plus 1, c'était 1 cinquième de Pn plus 3 cinquièmes. Donc j'ai bien que Pn plus 1,
Ça vaut 1 cinquième de Pn plus 3 cinquièmes. Et j'ai bien aussi que P1, ça valait 0,1, c'est ça? Ok. Question 5. Donnez-moi l'expression analytique de Pn. C'est quoi comme type de suite? C'est une suite arithmético-géométrique. Vous devez savoir le faire. Rappel, mais très rapide, parce que vous devez savoir le faire, c'est pas le but de notre chapitre. On fait l'équation limite. L égale 1 cinquième de L plus 3 cinquièmes. Ce qui nous donne 4 cinquièmes de L est égal à 3 cinquièmes. Ce qui nous donne L qui vaut du 3 quarts. Maintenant, on pose Vn qui est la suite Pn moins 3 quarts. Je vous assure, je ne fais pas les calculs, mais que Vn plus 1, c'est une suite géométrique de même raison que celle qui est là, c'est-à-dire que Vn plus 1, c'est une suite géométrique de raison 1 cinquième. Donc Vn plus 1, ça fait 1 cinquième de Vn. Et donc ça, ça doit vous donner ce que vous savez faire sur les suites géométriques. Vn, on sait qu'elle s'écrit... Alors attention, subtilité ici, c'est V0 fois Q puissance N. Donc V0 fois 1 cinquième puissance N. Mais c'est juste que, attention, la probabilité, elle n'est pas donnée par rapport à P0, elle est donnée par rapport à P1. Donc je ne vais pas faire par rapport à V0, je vais faire par rapport à V1. Comment on modifie la formule? Oui, c'est ça, c'est du 1 cinquième puissance n moins 1, du coup, attention à ça. Donc Vn, c'est V1 fois 1 cinquième puissance n moins 1, sauf que V1, on ne le connaît pas. V1, c'est P1 moins 3 quarts, c'est-à-dire que c'est du 0,1, donc du 1 dixième moins 3 quarts. 1 dixième moins 3 quarts, ça ne simplifie pas bien cette horreur, ça fait sur 20. Ça me fait du 2 moins 15, ça me fait du moins 13 vingtièmes. Ces exos à virgule, quoi. Donc Vn, ça fait moins 13 vingtièmes de 1 cinquième puissance n plus 1, ce qui fait que Pn, c'est Vn plus 3 quarts. Et donc c'est 3 quarts. Vous devez savoir faire ça. Et je vais être très clair et très méchant avec vous. C'est simple, ça a été fait en octobre. C'est pas parce que ça a été fait en octobre que vous ne devez pas le savoir le faire début décembre. Il est temps de mettre fin. Et vu que j'ai commencé à corriger vos deuxièmes DS, j'en ai peur. Il est temps de mettre fin à l'apprentissage par vague. Le dernier chapitre ne suffira jamais. C'est tout depuis le début de l'année, non négociable. Donc oui, vos exos de proba peuvent vous amener des suites arithmético-géométriques. Tout comme, mais Monsieur Privot, il n'a pas eu de succès avec ça la semaine dernière. Vos exos de matrice peuvent vous amener à des suites récurrentes linéaires d'ordre 2. Ah. Vous avez mis des bonnes notes, mais il n'a pas réussi à vous faire aller jusqu'aux suites récurrentes linéaires d'ordre 2, je pense. Il y avait des exos comme ça dans les exos de Monsieur Privot.